Et salut tout le monde, c'est Patisman et on se retrouve pour le premier épisode de Cubeland saison 3. Et aujourd'hui, enfin, vous deviez l'attendre, et ben on va commencer cette aventure. Enfin, moi, en fait, je vais vous expliquer un petit truc, c'est que j'ai tout commencé, enfin, tout fait les débuts ensemble, enfin, ensemble, je m'en mêle tout seul. Tout simplement parce que je me suis dit, ça va être lourd à regarder tout le temps. La même chose, le même début et tout, donc j'ai tout fait tout seul le début, donc voilà. On a tout le stuff, comme ça on va pouvoir passer au vif du sujet du serveur, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis sinon, je vous souhaite une très très bonne année à tous. En espérant qu'elle se passera aussi bien que cette année pour vous, même mieux, ce serait terrible ça. Puis voilà, moi j'ai fêté mon anniversaire en même temps, hein. Ça a fait du bien. Et puis voilà. Petite anecdote, voilà. Donc, on va commencer. Donc, je vais vous lire ça vite fait. Alors là, on est dans la maison des modérateurs du serveur parce que voilà, il y a Cubeland, le groupe Cubeland. Je pense que c'est Kakaorum ou Tarazel qui y sont, vu la position où ils sont. Ils sont où, non, ils sont pas au spawn. Oh, je sais pas. Bref, avis aux admins. Merci de laisser votre stuff dans votre coffre attitré et de laisser Cubeland ici, donc Cubeland qui est ce petit compte là, avant de vous déconnecter. Veillez aussi à synchroniser les clouds en sortant du jeu avant d'éteindre votre console. Pour cela, allez dans téléchargement actif et attendre la fin de la synchro Kakao. Pourquoi Kakao à votre avis? Simplement parce qu'il y a Kakaorum, Yggdrasil, Shaditoff, puis c'est tout, qui nous ont rejoints sur cette saison de Cubeland, donc ce qui est vachement cool. En plus ils sont tous super sympas, donc voilà, que dire de plus. Voilà, du coup on a nos coffres attitrés, donc moi j'ai le mien, je montre pas ce qu'il y a dans les autres histoire de ne pas spoiler. Et donc bah, je vais commencer tout simplement par vous faire un petit tour du serveur, enfin du côté où on habite tous pour l'instant, enfin, presque tous. Ok, merci. Oui, c'est vrai qu'il y a des lags en plus. Je vous préviens tout de suite, un truc, c'est que quand il y aura trop de lag, je vais faire des coupures. Donc vous verrez pas forcément. Je m'en fous. Bref, voilà, donc aussi on est en hardcore, en ultra hardcore. Donc pour régénérer nos cœurs, il nous faut ou des pommes ou des popos. Donc moi j'ai des popos, enfin j'ai déjà fait un petit stock vite fait. Donc il va falloir faire une sala potion, je pense qu'on la fera tranquillou. Donc programme du jour, on va explorer le petit village du Cubeland qui est juste là-haut. Ensuite nous allons chercher un endroit où s'installer parce que du coup ben, il va falloir trouver un endroit quand même où se mettre. J'essaye de traverser le plus rapidement possible. Parce que ça c'est embêtant. Faudra faire un petit pont, je pense. Un petit pont, ça pourrait être sympa. Oui, il est là que c'est passager parce que j'ai pu manger en 2-2. Donc ici, il y a ma petite maison de fortune. La maison que j'ai fait un peu à l'arrache. Ici, la ferme à poulet comme sur le let's play qui est beaucoup utilisé du coup aussi. Ici il y a un peu de canne à sucre. Ici il y a les petites vaches, la culture de carottes, de patates, de blé et de pastèques. Ici une petite ferme à œufs. Laisse-moi tranquille la porte. Donc qui a pas mal produit déjà. Voilà. Pourtant il y a deux poulets il me semble. Une enclume, tous les coffres du spawn. Ça c'est Shaditoff, Fonzi, Axer, compagnie qui les ont fait. Donc, là ils ont fait un petit hopper pour mettre les fioles. Du verre, voilà. La nourriture. Ensuite ici la culture de Nézorak. La table enchante niveau 30. Une petite potion aussi, faut le préciser.
Je vais vous montrer mes équipements juste après, vous inquiétez pas. Alors voilà, c'est la petite maison que Fonz avait construit à l'arrache lui aussi. Donc là, il y a des PNJ qu'on a purifié grâce à un spawner à zombies que je vais vous montrer juste après. Donc là, ma maison. Tout compacté. Hein. Donc un hopper ici pour mettre les ingrédients pour l'alambic. Ici, une table d'enchantement, un ender chest, une anvil. Un coffre avec plein de bordel. Donc pas mal de diamants aussi parce que j'ai une fortune 3, efficacité 5. J'ai une châtiment 4, butin 3 et un puissance 4, flamme 1. Donc voilà, j'étais un peu miné de quartz aussi pour me faire de l'XP et avoir des beaux blocs. Plein de pioches qui me servent plus à rien. Des potions qu'on m'a pas mal volé aussi. Bon, enfoiré. Je précise. Alors voilà, plein de haches aussi parce que j'ai été coupé un peu de bois. Et j'en ai eu marre au bout d'un moment quand même. Des livres que j'ai enchantés au niveau 30. Donc là j'ai eu Protect 4, puissance 2, tranchant 3, aisance aquatique, puissance 4, efficacité 4, tranchant 4, protection 4, etc. Voilà, j'ai aussi enchanté 2 épées. Mais j'ai eu tranchant 4 et l'arthropode 4. Donc c'est pas hyper génial. Mais en tout cas j'ai fusionné pas mal de livres parce que voilà maintenant on peut. J'ai eu protection 4 et protection 4 qu'on mettra sur des armures. Qu'on va se crafter d'ailleurs tout de suite. Donc on va crafter le plastron et nickel. Le pantalon. Voilà, et on va fusionner avec les livres. Comme ça on va devenir. Full cheat, full cheat. Par contre, j'aimerais bien choper des solidités aussi avant de mettre ces équipements. Donc, je les mettrai pas tout de suite. Ah mince, j'ai passé de niveau. Ouais, il manque un poil de niveau. Piti, 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 zombie. Ah merde, c'est vrai que je suis. Je fonce encore sur lui comme si j'avais rien. Oh punaise. Là il y a aussi des squelettes en armure, on voit. J'ai envie qu'ils s'éloignent en fait, j'ai pas envie de l'attirer. C'était moi. Voilà, et puis on va mettre le deuxième protection 4 ici même. Voilà, je vais stocker ça dans l'ender chest. Voilà, comme ça on sait qu'on a le début de notre armure. Et puis voilà, donc j'aimerais bien qu'on passe la nuit, mais je sais pas si la fameuse personne va vouloir dormir. On va aller voir d'ailleurs qui c'est. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je vais laisser de l'or ici. Il y en a qui se plaignent de pas avoir trouvé beaucoup d'or, mais moi perso, ça va, j'ai trouvé pas mal d'or. Ça va. En même temps, j'étais pas mal miné. Aussi des blocs de redstone. À un moment je suis mort, je crois que je suis mort 2-3 fois. Je suis mort en fait simplement parce que bah, j'ai eu un lag et puis un bloc de lave en fait qui me tombait dessus, je sais pas d'où. Donc j'ai perdu pas mal de save. J'étais revenu, j'avais pas de blocs sur moi sauf des blocs de redstone. J'avais 32 blocs de redstone donc j'ai tout utilisé et puis il doit être encore dans une grotte parce que j'ai tout posé. Et où dans la grotte, ça c'est une bonne question. Donc on va d'abord se préparer en conséquence pour trouver ce fameux endroit. Aussi, j'ai trouvé quelques Ender Perles. Voilà. Et puis voilà, je pense que cet épisode-là, on va faire ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous être utile? Bah, peut-être un peu de pierre, charbon et du bois. Bon, puis on pourra s'en faire sur le coup si besoin. Donc, on va aller voir cette personne. Moi personnellement, je crois que c'est Kakaorum. Hein, mais... Je sais pas qui c'est qui fait sa maison là-haut, mais elle a l'air classe. La maison, on la commencera l'épisode prochain. J'ai déjà trouvé un peu le modèle que je veux faire. Ce sera une maison tout en bois. Avec pas mal de bois différents, du coup. Ce qui va être vachement sympa. Ouais, elle est belle cette maison. Je sais pas du tout ça qui. Je pense que c'est Axer ou
Yggdrasil. Je sais pas du tout. Je crois que Yggdrasil et Kakaorum, ils restent ensemble, donc je sais pas. Oula. Qui se fait un Wither? Qui se fait un Wither? C'est pas drôle cette blague, les mecs, hein. Y'a un Wither, les mecs. Et les femmes. Bon, on va le laisser où il est, hein, parce que je suis pas stuff comme il faut pour le tuer. Hein. J'ai une bonne épée pour le tuer, mais le reste, l'armure, il va me déglinguer en quelques secondes. Voilà, je sais pas du tout combien cet épisode fera de temps, enfin vous le savez, enfin de temps fera cet épisode plutôt. C'est plus français. Oula, slime. Ça, je vais en avoir besoin dans pas longtemps. Oui, parce que faut savoir que on fera quand même pas mal de systèmes, je pense. Comme sur le let's play. Enfin, des systèmes utiles, je pense, pour le serveur déjà. En commençant par des usines. 28, c'est bien ça. Merci la butin. Commençons par les usines. J'espère que je vais pas spoil. Oh, c'est qu'un portail, ça va. Qu'est-ce qui est écrit? Derrière, c'est dangereux. Ok. Donc, cette personne est par ici. On va partir par ici dans ce cas. On va voir qui c'est enfin. Parce que je me demande vraiment qui c'est. Ta 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 ta, suspense. Toujours suspense. Aïe. Ok, il y a un spawner ici. Comment on rentre? Eh hey, mec. Mec, s'il te plaît, aide-moi. Je sais pas par où on rentre chez toi. Salut. Bon bah on saura jamais les amis. On ne saura jamais qui c'est. À part si je casse ce bloc. Je me demande vraiment qui c'est. Cacao. Salut, salut. Ok, farm les araignées. Ça farm, ça farm. Tiens, une potion. Et je vais le laisser farmer. Et nous, bah du coup, on va partir à... plus en haut vers la droite, je pense. Je sais pas sur quel biome on va s'installer du tout, mais à mon avis, ça sera un bon biome. Hein. Ils farment leurs arbres ici. C'est magnifique. Hein. Sans nous, on fera des choses plus mieux. Hein. On le sait. On le sait. On ne le nie pas. Et de l'obsidienne, ils font leur parcelle de terrain, je crois. Là, je sais pas comment ils s'organisent. Parce que je suis aussi ces épisodes. Hein. Je suis les épisodes de tous ceux qui tournent sur Cubeland, faut savoir. Vous pouvez même très souvent me retrouver sur les commentaires, je pense. Surtout que ce fan, surtout ce Fanzy, ouais. La part du temps, je viens le faire chier sur ses commentaires. Trollolol. Donc, nous, va falloir qu'on s'installe, qu'on coupe pas mal d'arbres déjà pour notre première maison au spawn. Je trouve ça dommage qu'il soit parti en fait carrément à l'opposé, enfin l'autre côté de la map par là. Parce que du coup, on sera obligé de faire l'usine à faire ici de toute manière. Donc, ça va être chiant.
C'est quelqu'un qui est passé par là, hein. Bizarrement. Je crois que j'allais prendre encore des dégâts. Alors, c'est parti. Hop. Donc à 15 minutes d'épisode, ça va. C'est bien maintenant, j'ai même pas besoin de mettre de chrono. Mon logiciel fait chrono, c'est bien. Que j'utilise le même logiciel que pour le PC en fait pour parler. Parce que vous ne m'entendriez pas. Ce qui serait assez gênant. Non, 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 on s'en fout. Okay. On prend des fleurs. On les replante. Utilité aucune. Qu'est-ce que c'est? Ok, un truc tout moche en cobble pour former de l'Underman. Donc là on arrive sur la mer. Attendez, y'a quoi là? Je découvre tout là, c'est quoi ce bordel? Un panneau des tâches, un truc comme ça là, non? Arrive les streamers, merci de ne pas spoiler la zone à droite. En sortie de... Oh merde! De toute façon, vous ne l'avez pas vu, hein. Vous ne l'avez tout simplement pas vu, tout simplement parce que je l'ai coupé, hein. Donc vous en foutez complètement. Ah bah non, c'est pas là. c'est pas ce que je pensais. Ok, en fait on voit rien, c'est bien. Hop, on se casse. On se casse. On n'a rien vu. C'est faux. Pourquoi il va construire partout aussi, hein? Mais non, mais je pars par où moi? Tu vas partir tout là-haut. Putain, mais cacao! T'es sérieux? J'ai failli vraiment vous spoil hein, ce qu'il avait fait. Mais chier, cacao! Fais chier! Je vais où moi? Je peux même pas l'explorer la map! Je vais lui dire après, je vais lui dire, je vous préviens. Ça va barder. Ça va barder. Hop. Je sens qu'on va faire pas mal de choses assez sympa avec de l'art de notre clé aussi, je suis en train de penser. Oh, il y a une cabane de sorcière que j'avais déjà remarqué. Je me demande ce que c'est ce qu'il y a tout là-haut. Il veut pas qu'on spoil, c'est pas sympa ça. Ah non. Ah, tant mieux en fait qu'il y ait une sauvegarde parce que si jamais il n'y a pas de sauvegarde, je sais jamais ce qui peut se passer. Ça va, je vais pas faire la coupure, c'est ça qui est bien. Hein. C'est ça le point positif de la chose, hein, on va dire. Donc, je suis désolé, aujourd'hui épisode d'un peu exploration, mais au moins vous aurez vu un petit peu ce que j'ai niveau stuff aussi. Ne vous inquiétez pas, le let's play du coup va un peu reprendre aussi, parce que je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais je pense que oui. Mais il y a eu beaucoup beaucoup moins de vidéos en ce moment, enfin, quasiment pas du tout même. Tout simplement parce que bah, c'est les fêtes en fait ouais en fait et ben moi en fait je suis dans un boulot où pendant les fêtes tu bosses comme un taré tout simplement. Qui c'est? Un village là-haut. On va s'installer là-haut. Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui s'est pas emmerdé en foutant de la cobble partout? Oh, vous êtes sérieux? Je sais plus courir. Donc comme je disais, il y a beaucoup beaucoup moins de vidéos en ce moment, mais là ça va reprendre parce que tout simplement je pense que vous devez presque tous le savoir, mais je suis en boulangerie, enfin je travaille en boulangerie, je suis en deuxième année et dans le métier là ben tu bosses comme un taré quand t'es en boulangerie, donc j'ai pas eu forcément le temps de tourner de vidéos parce que quand je rentrais j'étais défoncé. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. On va s'installer sur cette île.
si elle a quelqu'un, eh ben j'en ai rien à foutre. Clairement. Il n'y a pas d'île champimeux, enfin pas de ce côté-là, je sais pas s'il y en a une de l'autre côté. J'irai voir sûrement hors caméra, je pense. Moi ici, je vais poser mon insigne, mon drapeau, tout ça, tout en haut de cette montagne. Plus on a un marais juste à côté, ça c'est bien pour les slimes. Puis bah du coup, on va prendre un tout petit peu de bois. C'est chiant qu'on puisse pas écrire dans le chat. Oui, parce que maintenant, comme sur le LP, quand on casse avec une pioche, ça casse aussi vite qu'à la main. Donc, aucune utilité maintenant. Avant, ça faisait comme si on avait une hache. C'est plus RP quand même. Je suis content que cette aventure soit en hardcore. Enfin, hardcore, en ultra hardcore, parce que quand on meurt, on réapparaît quand même. Mais je suis content parce que du coup, ça nous permet un petit peu d'exploiter à fond cette mise à jour. Ce qui n'est pas le cas sur le Let's Play, on n'utilise pas le mode ultra hardcore. Hop. Ok, ça craint, il y a déjà un squelette. Ok, j'ai pu viser. J'ai pu viser. Lui non plus, tant mieux. Ok, ma flèche est partie aussi loin. J'étais en train de me demander si c'était ma flèche ou autre chose. Donc j'ai pas de torche. Au moins on sait où on va s'installer. C'est ça qui est bon. Et c'est ça que je voulais savoir, surtout. Donc, on va mettre notre totem, hein. Le totem en bois. Non. Totem en bois. Ok. Vas-y. Dégage. Dégage. J'ai dit dégage. Merci. On fera une tour en mob aussi. Bah juste en face là du coup. On la fera par là. Et bah du coup. Ici c'est mon territoire. C'est mon totem ça. Hein. C'est mon totem, personne ne le sait mais c'est mon totem. Et puis bah du coup eh bien coupure le temps que j'arrive jusqu'à la maison. Voilà, ça c'est fait. Et re donc bah je suis en train d'arriver là. Lolo. Tiens, une poule adulte. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer du coup là. Quand il crame. Crame, 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 crame. Allez, crame. Bon bah tant pis. J'abandonne vite hein, je sais. Donc bah je sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir faire là pour la fin de cet épisode. Donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer vite fait. Bah je pense qu'on va rapidement. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Je vais dire une connerie. Je vais dire une très très grosse connerie. Déjà pour commencer. On va boire ça. Non, je fais de la merde. Tout simplement, bah en fait, je voulais qu'on attaque un petit peu la maison, mais non. On fera ça pour le prochain épisode. Ça serait bien que j'arrive à le faire en timelapse. Je verrai. Je verrai si je peux choper Fonzy. Et puis voilà. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé ce petit épisode de Cubeland saison 3. J'espère que vous êtes très très heureux que je filme sur cette série, enfin très très heureux, je parle pour moi là, mais vous, j'espère tout simplement que vous êtes heureux, content, que vous kiffez cette série, hein. Parce que moi en tout cas je la kiffe et j'ai envie de tout faire jusqu'au bout. Puis voilà, vous inquiétez pas, les vidéos vous reprennent peu à peu. Aussi j'essaye de voir si je peux filmer sur ma Wii U, parce que je me suis acheté une Wii U, hein. Comme ça, je verrai si je peux filmer sur ma Wii U, vous sortir peut-être du Smash Bros. Super Smash Bros. Pour Wii U.
Donc on verra bien. J'espère que j'y arriverai. Si j'y arrive pas, eh bien, tant pis, j'essaierai d'une autre façon. On verra bien. Je vous promets rien. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'était Patisman. Et moi je vous dis à tous, bonne année et à la prochaine. Allez, bye bye.